l'usine de Flins, c'est l'usine la plus ancienne du groupe Renault. 1952, sa date de création. Nous avons sur ce site actuellement la production de la Clio 4 et de la Zoé, véhicule électrique du groupe Renault. On va fabriquer cette année 160 000 véhicules. Pour nous, la Nissan Micra, c'est un peu le renouveau, un redémarrage. Après 60 ans de bons et loyaux services, c'est une perspective de plus de 100 000 véhicules par an, rajoutés au volume initial des Clio et des Zoé. The opportunity for Nissan to do the Micra project in Flins is going to be a return of the Micra manufacturing into Europe for Europe. So we're back to serving the market from manufacturing the market. So it has an advantage in terms of the logistics and the time to delivery and time to availability for the customer. It is the first time we make such a big project in a Renault plant with a Nissan car. For stamping, Renault and Nissan are used to work together. The easiest decision was to ask Nissan to make the dies, and now we are launching the parts with Nissan dies. Body shop was the main challenge for this plant. We invited many designers from Japan. They came here. The consequence, closures assembly is exactly the same line. Body main is exactly the same line, and so on. We have decided to have exactly the same flow for new Micra, Renault Clio, and Renault Zoe. Mon rôle consiste à régler la géométrie du véhicule, c'est-à-dire tous les jeux qui se trouvent au niveau des ouvrants, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau des portes, du capot, de la porte de coffre et des latéraux. L'avantage qui nous arrive sur la Nissan, c'est qu'on arrive avec une géométrie qui sera pour nous forcément meilleure. Pourquoi ? Parce qu'on arrive avec des charnières qui ne pourront plus bouger comparé aux jeux qu'on avait avant. Donc pour nous, ça sera un gain de qualité et en stabilité. Là où je suis fier, c'est qu'avant, on avait une alliance Renault-Nissan, mais on ne fabriquait que des Renault, donc sans savoir véritablement le potentiel d'une Nissan. Aujourd'hui, en fabriquant la Nissan, on se rend compte vraiment de la qualité que Nissan peut nous apporter aussi. La grosse différence se situe au niveau de l'ergonomie. Au niveau de Nissan, ils travaillent beaucoup à la main, que ce soit en intérieur de caisse ou même en extérieur pour la peinture des portes, alors que nous faisons tout en automatique, notamment en intérieur. On a des robots qui font l'intérieur et l'application des lacs est en automatique. On a 17 couleurs en total sur la Nissan Micra. Nous avons 3 couleurs supplémentaires. Il y a des nouvelles teintes, le orange, le vert, le bleu. Je suis monitrice finition et je dois m'occuper de diriger les voitures, soit si elles sont bonnes, elles partent au montage, ou soit s'il y a quelques défauts, tôlerie ou quoi, c'est moi qui les dirige vers la retouche. We had done a lot of changes and the major change is the automatic docking between the chassis and the body, which is totally different in the Nissan plants. So we succeed by a huge, huge job in the digital phase more than 2 years ago with Nissan in Japan to succeed to have this automatic docking. So now we can have the Micra on the line with this new process. I think the big challenge as ever in new vehicles in the modern age is about the technology and about the mobility, about some of the intelligent mobility solutions that are included in the vehicle. We have some features on the new Nissan vehicle which don't exist in Renault. And it means that we have to both, as a plant, we have to learn about those new features. We have to learn how to install them and how to assemble them and also how to test them. So there are big challenges, particularly electrically, on the vehicle, which are probably quite unique for this project. We have a standard process used in Renault, but it is mainly the same as for Nissan. And so we apply step by step, static check, electronic check, dynamic check. And after we have a little test track for which we can check squeak and rattle and all functions of the car.
quelles que soient les cultures, anglaise, japonaise, française ou autre nationalité, elle s'efface derrière des modes de production écrits en commun, selon un standard commun qui s'applique à toutes nos usines. Et ce langage commun de l'Alliance Production Way, l'APW, nous a énormément aidé à très rapidement se parler, se comprendre et appliquer.